Bonjour tous les chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi, il fait un temps mais superbe. Je ne vais pas vous dire la température parce que je sais qu'il fait plus de 20, donc c'est pas la peine de vous faire baver, hein. J'espère que vous n'avez pas trop froid ou que vous êtes au chaud devant un bon feu de cheminée, ça c'est l'idéal. C'est ce qui me manque finalement maintenant en camping-car, c'est que je peux plus avoir le feu de cheminée. Alors moi je suis face à vous. Et bien sûr, vous savez ce que Krissa est en train de faire. Vous l'avez deviné, hein? Ouais, vous l'avez deviné. Oui, elle bricole. Elle bricole, elle bricole, elle bricole. Là, elle est en train de préparer les présentoirs pour le marché de Noël du 23 décembre. Donc, vraiment, je pense que son étalage va être vraiment très, très joli. Oui, je n'oublierai pas de filmer le marché du 23. Je filmerai bien évidemment la vedette, Krissa. Je filmerai aussi ce marché de Noël au Portugal. Ça sera mon premier, puisque moi, c'est la première fois aussi que je viens au Portugal. Et ça sera mon premier marché de Noël au Portugal. Ça, par contre, ça peut être très, très, très sympa. Oh, sinon. Ce que j'avais envie de vous dire de la part de Chrissa et de moi, nous allons non pas faire une causerie comme on fait de temps en temps, voilà, où on répond à vos questions qu'on a prises un petit peu à droite et à gauche. Cette fois-ci, on vous propose on va dire un FAQ, hein, bah oui, hein, tout simplement. J'aime pas trop cette expression, mais après tout, c'est vrai, hein. Donc, ou un question-réponse que vous pouvez lancer dès à présent sur les commentaires en bas de cette vidéo. C'est-à-dire, donc aujourd'hui nous sommes samedi, je pense que je vais réussir à mettre en ligne cette vidéo. Et nous vous laissons jusqu'à mardi pour écrire sous cette vidéo, j'insiste, oui, j'insiste, parce que des fois on se rend compte que même si on dit les choses plusieurs fois, ben oui, hein, vous n'écoutez peut-être pas bien, je ne sais pas. Vous faites autre chose en regardant la vidéo, en l'écoutant, je ne sais pas. Donc, je redis en bas de cette vidéo, vous mettez dans les commentaires, question pour Krissa, question pour Ambre. Si ce sont des questions différentes, si ce sont des questions communes pour Chrissa et pour moi, vous pouvez les mettre. Si vous mettez des questions, une ou plusieurs questions, que vous lancez votre commentaire, si jamais vous voulez le modifier ou si vous voulez mettre d'autres questions, dans d'autres commentaires, il n'y a pas de souci, mais tout en bas. Attention, on ne répondra que aux questions qui sont sous cette vidéo. Comme ça sera concentré. D'accord? C'est bien, hein? Je pense que là, j'ai été claire quand même, hein? Sous cette vidéo. Voilà. Pas ailleurs. C'est pas la peine de nous envoyer par mail. C'est pas la peine de nous envoyer sur d'autres vidéos. On répondra ici. Parce que je vous assure, même si on n'est pas une grosse, grosse chaîne, c'est pas toujours facile de répondre à toutes vos questions qui sont souvent un petit peu partout et sinon il faudrait y passer 6-7 heures par jour alors qu'on n'est pas une grosse chaîne que à lire les commentaires, à vous répondre, etc. Donc si ça se passe bien, si ça vous plaît comme ça, on le fera de temps en temps, on lancera une petite vidéo pour vous dire voilà, on va faire un question-réponse, un FAQ et vous mettez vos questions en bas, voilà. Je pense que ça sera le plus simple pour vous comme pour nous. Ensuite, si jamais il y a beaucoup de questions, si la vidéo de réponse risque d'être vraiment trop longue, on fera deux vidéos. C'est-à-dire une vidéo où je poserai les questions à Krissa que vous avez mis en bas de cette vidéo et une autre vidéo où Krissa me posera les questions que vous aurez mis en bas de cette vidéo. Voilà. C'est tout, on le fera fin de semaine sûrement, mais en tout cas, je vous dis, on vous laisse au moins jusqu'à mardi pour mettre vos questions, etc. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube non plus qu'on répondra à vos questions trop, trop, trop personnelles. Dans ces cas-là, c'est
Joker! Mais ça, je pense que vous le comprenez. On peut pas répondre à tout, tout, tout. Il y a des choses auxquelles qu'on n'a pas envie de dire, qu'on n'a pas envie de répondre, tout simplement. C'est notre vie plus que privée. En tout cas, je vous souhaite un super week-end. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!